Salut à tous et bienvenue sur ce tutoriel de formation. Je suis Diallo Mamadou Mousseline, ingénieur télécom de formation. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de Windows Server 2012 et de Windows Server 2016. Donc, sur cette série de vidéos, déjà, nous allons commencer par présenter le plan de notre formation. D'abord, en ce qui concerne Windows Server 2012, nous avons voici donc les différents éléments que nous allons aborder tout au long de cette série de formations. Donc, accrochez-vous très bien. D'abord, nous allons présenter Windows Server 2012, parler des différentes nouveautés de notre système Windows Server 2012. Voilà, et donc nous allons déployer notre serveur. Quand on dit déployer, donc, on parle bien évidemment de l'installation. Au-delà de l'installation, les différentes configurations de base que nous allons mettre en place, configurer le nom de notre serveur par exemple, fixer une adresse IP de notre serveur, ou donc configurer le pare-feu et le bureau à distance, sans entre autres le déploiement et les différents échanges que nous allons faire sur notre système serveur. Ensuite, nous allons introduire les services Domain Active Directory, un élément très important dans le déploiement des systèmes Windows Server 2012-2016. Ce service est appelé ADDS, Active Directory Domain Services. Donc, nous allons voir cet élément qui est très important, qui permet de gérer les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs au sein de l'entreprise. Donc, c'est l'élément clé pour le déploiement d'un système Windows Server. Ensuite, nous allons voir comment gérer les comptes sur un domaine Active Directory, comment déployer un contrôleur de domaine, créer des utilisateurs, créer des groupes d'utilisateurs, créer des ordinateurs au sein de notre entreprise et comment gérer ces utilisateurs. Par exemple, lorsqu'on crée un utilisateur, quelle est donc la gestion. C'est-à-dire quel est le temps de connexion qu'il pourra faire au sein de l'entreprise, comment, c'est-à-dire quand il va se connecter, quand il va se déconnecter, quelles sont les tâches qu'il va pouvoir faire, quelles sont, disons, les différentes limitations qu'on peut attribuer à cet utilisateur-là. Et ensuite, dans d'autres vidéos, nous allons voir comment automatiser l'administration Active Directory. Donc, comme je l'ai dit, Active Directory, c'est l'élément le plus crucial et nous allons voir beaucoup d'éléments sur le Active Directory. Et ensuite, nous allons voir la notion de GPO. Donc, Group Policy Object, c'est un élément crucial que nous pouvons donc mettre sur notre système Windows Server. Donc, lorsque nous déployons notre serveur et nous créons les utilisateurs au sein de ce serveur-là, on peut appliquer les différentes limitations, les différentes restrictions à notre utilisateur. Comme je l'ai dit tantôt, comment se connecter, les temps de connexion, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc on va voir tout cela de façon plus détaillée dans les vidéos. Dans les vidéos donc, qui vont suivre donc, cette série. Ensuite, nous allons voir le système d'hypervisation sous Windows Server, donc appelé Hyper-V. C'est quoi l'Hyper-V? Comment l'installer? Faire des configurations, mettre un système virtuel dans un autre système virtuel. Et voilà, donc la virtualisation du serveur avec le Hyper-V. Nous allons voir ces éléments-là pas à pas, donc accrochez-vous. J'espère que je vous ai donné donc l'engouement de bien suivre cette formation-là. Il faut dire que c'est le niveau de certification 70410. Lorsque vous maîtrisez cela et vous appliquez, vous pouvez passer les différents tests pour avoir votre certification 70410. C'est le niveau 1. Voilà. Et donc, j'espère que vous êtes prêts à aller de loin. Et merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures.